Hello tout le monde, c'est l'Eleven6. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Grey Garden où on était avec les deux autres et on devait aller à la plage. Je sais même pas pourquoi on doit aller à la plage. Ah, Ezio. Ah, c'est Ezio. C'est rare, quoi. Et Diallo, Chélan. J'aime regarder la mer quelquefois. Quel beau ciel et quelle belle mer, quoi. En effet. Diallo, est-ce que tu aimes les anges? Certainement que je ne les déteste pas. Je vois, bien. Chélan, est-ce que tu aimes les démons? Nod, nod. Ah. Bien. Tu as déjà entendu des histoires? Attends, tu as seulement entendu quelques histoires. Mais ce ciel et cette mer n'étaient pas autant magnifiques. Attends, quand les anges et les démons, Ezio et Clab didn't get along, n'étaient pas là. Enfin, je sais pas. Et c'était un grand conflit. Oui. Ouais, en gros, avant, ils se détestaient, les démons, les anges et tout. Et c'est un très bon monde maintenant, je pense. Excepté ce qui s'est passé. Si une partie ne peut pas être. Ouais. Si une partie enfin, comment dire, n'est pas pardonnable, enfin, je sais pas comment expliquer. Ah, n'est pas. Ouais, n'est pas. Oh putain, comment on dit ça? Genre, elle n'est pas. Elle n'est pas pardonnée. Enfin, elle veut pas pardonner. Après un combat, il y aura jamais de réconciliation, quoi. Oui, eh bien, ce n'était pas très. C'était pas lukewarm, c'est, je sais pas ce que ça veut dire. Comme un fight, enfin, c'était pas. Mais n'était-ce pas resté vrai? Peut-être. Revenons à ce que tu disais, ce que tu pensais. J'ai entendu ceci, que c'était rare. Oh, entre moi et Clab? Oui. Les autres. Règlement. Ouh là là, ça devient chelou.
Elle dit qu'elle est folle. Quand je vois cette mer, je me souviens, je ne peux pas oublier, je ne dois pas oublier. Je ne peux pas le faire. Si rien. Ouais, je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Oui, je vois. Shélan me dit qu'elle vous aime beaucoup. Ah, merci. Je vous aime tous aussi. Les anges, les démons, et bien sûr Clab. Je pense en fait, avant elle voulait dire genre Clab et elle, ils sont pas censés s'aimer, je pense. Et il y en a plein, ils disent qu'ils ont pas le droit, sauf qu'ils le font quand même, enfin je sais pas. Alors que c'est des démons, enfin c'est un démon et un ange en fait, c'est pas... Je pense que ça voulait dire un truc comme ça. Ah oui, quand ça s'est fait avec Clab, ça a commencé avec Yoda. What? Oui, quelque chose qu'il a dit, réveille-moi, tu devrais savoir. Eh bien, beaucoup de choses se sont passées. Dis, l'as-tu trouvé? Non, non, pas encore. Il est nulle part que je peux trouver. Je suis vraiment inquiète, pour être honnête. Est-ce que ça a un lien avec les démons enflammés, là? C'est possible. Je ne dois pas m'en faire si ce n'est pas quelque chose... ouais, je dois m'en soucier si c'est quelque chose qui vient de dehors. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais je dois trouver Yoda. Et après, je protégerai le monde. Il n'y a pas moyen. Enfin, à n'importe quel prix, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Eh bien, dis. Tellement mauvais, tu... Tu n'as jamais protégé quoi que ce soit. Qui c'est? Peu importe qui je suis, je pense. Toi. Tu es la cause de tous ces trucs là. Laisse ce monde. Je ne peux pas. Tu penses que tu peux me battre? Non. Je n'ai pas une assez grande épée pour... pour la planter, enfin, voilà quoi. Ce n'est pas après toi, enfin, ce n'est pas après toi que j'en veux, ou un truc du genre. Et c'est qui? Oh. Qu'est-ce qu'on s'en fout, enfin. Qu'est-ce que ça importe? Ne sois pas trop, coquille, je sais pas. Si tu laisses ça ici, tu ne voudrais pas un ami mort, n'est-ce pas? Ne mets pas un seul doigt sur eux. Non, non, ces petites... What? What? Je comprends rien de ce qu'il dit. En gros, il veut la taper, je crois. Tu es folle. Je prends ça pour un compliment. Enfin, elle a dit un... On va dire un objectif et je sais pas ce que ça veut dire.
Diallo, Shellan, courez vers Clab. Oh. Je pense que ça devrait être le mieux pour toi. Si tu t'assois, tu restes pendant un moment. Itio, Shellan, par ici. Attendez. Yeah. Bah. Pars. Je sais pas. Oh, bien. Est-il? Eh non, c'est pas. Ah! Il sait peut-être. Ce monde est en train de commencer à être mal, mauvais. T'as foutu le bordel. Son temps est. Et pas pour maintenant. Son temps est pas pour maintenant. Ah, c'est vrai. Ça devient le gros bordel là, c'est. Yousafire. Un jour, quand j'étais petite, je volais. Et puis, je suis tombée. Et j'ai cassé ma. Mon aile, enfin, le bout de mon aile, quoi. Ah non! Mon. Ma corne, non? Et après ça, je. J'étais. Enfin, j'avais peur de voler. J'étais effrayée de voler. Hey, Saf. Yousaf. Yousaf ailleurs. Ah! Es-tu blessé? Ah. Où sommes-nous? Je ne sais pas. Alors, il pleure et tout. Alors, prison. J'ai peur, je ne veux pas mourir. Maman. Et la faim. Contente que ce monde soit ok, mais c'est une cellule, non? Oui. Pourquoi sommes-nous là? Quelqu'un nous a poussé dedans. Que devrions-nous en faire? Nous sommes finis. Ces démons sont en train de les manger, je le sais. Et tu as raison. Enfin, tu as raison. Ah, c'est Shades. What the? Tu es bizarre. Et ce n'est pas moi. Poemi voulait. Vous voulez. Ici, non? Oh, la fille en. En rouge, je pense. Nous allons vous tuer. Pomi a dit qu'elle voulait jouer. Jouer? Ouais, elle veut jouer aussi, quoi. Oui, mais par jouer, elle veut dire torturer, tuer et manger. T'as dit quoi? Non! Ne nous tuez pas!
Tu es tellement lourde, Macarona. Peu importe. Où sommes-nous? Hein? C'est dans un autre monde, je pense. Underworld, quoi? C'est où les démons vivent? So, tu... Enfin, donc, ça signifie que tu nous as emmenés dans un autre monde? Dans ton monde, non? Oui, c'est ça. Laisse-nous sortir. Eh, tu es mignonne, tu sais. Si tu étais ma petite amie, je le ferais juste pour toi. D'accord. Quoi? Tu es stupide ou quoi? Pas question, pas question. Comme je ne serai pas la petite amie de Flo's. Non, merci. Laisse tes rêves dans tes rêves. Oh, ça semble cool. Oh, eh bien, Poemi ne va pas tarder à arriver. Attends. Ah, oh, c'est tellement mauvais. Je t'aimais vraiment. Je t'aimais bien. Tout ce genre. Tu es conne. Tu ne pouvais pas mentir. Juste mentir pour qu'on sorte. Mais... Et maintenant quoi? Comment on peut s'échapper? Eh bien... Nous devons le casser avant que quelqu'un n'arrive ou je sais pas quoi. Le téléphone ne marche pas, je suppose. Bien sûr. Nous sommes dans un autre monde, vraiment. Sniff. J'ai faim. Quoi? Un autre monde? Est-ce que vraiment ça existe? Et pourquoi on peut pas venir et... Enfin, on peut pas juste partir, je pense. Qui s'en fout? Ah, je veux rentrer à la maison, je veux rentrer à la maison. Je suis dans un endroit étrange, sans mes amis et personne qui peut me sauver. Oh, ne sommes-nous pas là? Oh, c'est vrai. Mais je suis en prison. Ouais, bref, tu gueules pour rien. Putain. Mais j'en ai marre de cette fille. It seems that Yosafire were taken to... Ouais. Il semble que Sapphire et ses amis ont été emmenés dans un autre monde. Elle se donne développement. Et qu'est-ce que ces démons en ont après l'autre monde? Eh bien. Je vois. Je vois que que nous sommes dans un autre monde où les démons ils sont ici, sont bien. Je sais pas comment expliquer. Ah, moi? Je suis un démon qui... Ah, mon nom, je ne pense pas que c'est pertinent. Et si tu veux, tu peux m'appeler un démon qui passe. Je pense qu'en fait, elle voulait dire, genre, elle passe dans plusieurs mondes, elle n'est pas fixe. Mais qui tu es? Tu demandes. S'il te plaît, ne te prends pas la tête, je suis simplement un passeur, un démon qui passe. Enfin, qui... Ouais. Je sais pas comment expliquer en fait. Tu te demandes pourquoi suis-je ici? Je me fais un peu chier.
crois qu'elle attend quelque chose, j'ai pas trop compris. Maintenant, où on est là, tellement chaud et tout est en train de s'enflammer. Je ne comprends pas. C'est un si mauvais goût. Le démon est ici peu. Le démon est ici, ça semble clair quoi. C'est pour ça qu'il y a plein de feu partout, parce que c'est le démon. Où es-tu, démon, je pense. Ah, quelqu'un est là? Je suis sûr que je peux demander. Je suis sûr que je peux leur demander la direction. Je vais essayer d'être poli. Hé, mec. Je n'ai jamais vu de fille. Ce que je dis est faux? Mais tu tais, quoi. Eh bien, c'est le mieux de partir aussi. Excusez-moi. Et j'ai dit, avez-vous un instant, un moment? Puis-je avoir un moment? Hein, quoi? J'aimerais demander pour les directions. Ah, partez, non? Dis-moi, où est le démon? Ah, peut-être. Je ne sais pas. Ce n'est pas bien de mentir. Mentir est le premier pas vers une simple tombe. J'aurais espéré demander poliment, mais je suppose que. Ouais, je sais pas, enfin bref. On voulait essayer de demander poliment, mais ça marche pas. So, où il est? Pas ici maintenant. S'énerver. Je vois, je comprends, merci. Enfin, en gros, cette structure, c'est une prison. Je suis très intriguée. Je devrais prendre la tour. Je devrais aller à la tour. Qui es-tu? Qui étais-tu? Qui était ce gars? Blessons-le et qu'il ne dise pas un mot. Il est en train de crier. Parle d'un mec, je crois. D'un ange. Ils l'ont brûlé. Il faut aller le donner à la poubelle, je pense. Ça devrait être bon comme à manger.
Ouais, ils attendent le repas et tout. Ouais, il y a quelqu'un ici. Enfin, dedans. Ah, il y a un verrou. Tellement facile à... Non! Non, c'est Yoda! Oh. C'est pas un démon du tout, mais un ange avec beaucoup de choses. Qui? Oh, moi, je suis un démon qui passe. Pourquoi es-tu là? Oh, j'ai une théorie, les démons que j'ai vus dans le hall. Pauvre chose. Est-ce que tu vas bien? Ah, je vois. Tu ne viens pas d'ici, pas vrai? Ah, je connais... Qui es-tu? Que es-tu? Ah, je t'ai dit, je suis un démon qui passe. Relax, relax, ouais. Je ne suis pas ton ennemi. Je ne vais pas te laisser comme ça, je pense. Yes. Oh. Retourne à ton monde. Laisse-moi un moment. Si, si. Maintenant, va dedans. Oh, trop bien. Aïe, je suis désolée. Quelqu'un va s'occuper de lui, je pense, je suis sûre. Je devrais partir avec toi, mais je pense que je vais continuer à regarder. Ok, bon, les gens, on va se laisser là pour ce 11e épisode, il me semble. Ouais. Et donc, on se retrouvera la prochaine fois. On va essayer de retrouver Yo Sapphire avec ce petit démon. Et je pense qu'elle va les sauver. J'espère en tout cas. Donc d'ici là, prenez soin de vous et puis bye bye!